Bonjour, Johan Rossel, pilote équipe de France FFSA. J'ai gagné le championnat du monde WRC3 cette année. Et me voilà à la remise des prix FFSA. Mon rallye préféré reste, je pense, la Grèce. L'Acropole qui coupe. Ou partir de Athènes, enfin, c'est assez exceptionnel. Mon parcours il est simple, j'ai gagné Rallye Jeune en 2014. Après j'ai gagné quelques formules de promotion, dont le championnat de France Junior, la Coupe 208, qui m'ont permis d'avoir des volants semi-officiels, voire officiels même en 2019, quand je gagne le championnat de France des rallyes avec la C3. Donc voilà, et depuis 2 ans, je suis en championnat du monde pour essayer de performer. Cette année, ça a bien marché vu qu'on a gagné le WRC3. C'est un sentiment juste exceptionnel. Jouer un titre sur la dernière épreuve, dernier kilomètre, entre guillemets, dernière spéciale, c'est assez exceptionnel. Après, c'était difficile de réaliser juste après, mais de voir ma famille, tous les membres de l'équipe sauter de joie, c'était un moment fort, et se dire qu'on est champion du monde, c'est toujours bien. Et ça fait plaisir surtout pour en fait tout ce qui s'est passé durant l'année, tous les partenaires qui nous ont suivis, et de leur rendre un petit peu l'appareil comme ça, voilà, c'est le meilleur des cadeaux, je pense. Moi, je le prends plutôt comme une étape, c'est-à-dire que certes, c'est un titre de champion du monde et je pense qu'on ne me l'a pas volé, mais le but, c'est d'aller, entre guillemets, le plus loin possible. Certes, il ne manque pas beaucoup d'étapes pour aller en WRC, mais voilà, j'espère l'année prochaine essayer de me battre pour le titre en WRC2 et voilà, je le prends vraiment comme une étape en tout cas. Voilà, plein de titres et de prendre beaucoup de plaisir, essayer de faire du mieux possible à chaque fois dans des belles voitures.